Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Welcome sur le podcast After Fight. On se retrouve pour une interview. Aujourd'hui, j'ai avec moi Bader. Bader, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, nickel, super, merci. On se retrouve pour parler de ton actualité. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore sur le podcast? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Badr Ahmed Khoury, je suis de Marseille, combattant MMA au Marseille Fight Club. Donc voilà, je viens du rugby de base. Alors, à la base, j'étais footeur. Ensuite, je suis passé au rugby. Et je pense que c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre dans le sport de combat. Donc, je commençais en pied-poing. Et en pied-poing, j'ai vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose, mais on ne me donnait pas ma chance. Donc, j'ai basculé au MMA. Et là, j'ai continué sur le MMA. Et les sports de combat, vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait déjà ou vraiment ça a été une opportunité pour toi, une continuité d'aller faire du sport comme certains sportifs font ou vraiment tu avais envie d'essayer cette discipline? Non, le sport de combat, ça fait très longtemps que je voulais en faire. Ben, j'ai commencé très jeune. J'avais commencé en kickboxing. Et après, je suis passé. J'ai vu qu'en kickboxing, comme je t'ai dit auparavant, j'ai vu qu'au kickboxing, il n'y avait pas. Enfin, j'étais déjà lourd. Là, je suis à la vingtaine, j'étais déjà lourd et grand. Donc, ils avaient peur de m'envoyer plus ou moins à la mort parce que voilà, c'était plus ou moins. C'est une catégorie très, très puissante et dangereuse. Et j'en ai eu marre à force de m'entraîner pour rien. Donc j'ai dit, je vais basculer au MMA. Quand j'avais des collègues à moi qui faisaient du MMA, ils m'ont pris avec eux et c'est parti de là. Est-ce que tu peux nous parler de là où tu t'entraînes au Marseille Fight Club? Marseille Fight Club, ouais. Ben écoute, Marseille Fight Club, notre entraîneur, c'est Jean-Michel Froissart. Donc je pense que tout le monde doit le connaître. Il y a beaucoup de grands noms chez nous. Il y a Vincent Delguera, il y a Aymar Guy. On a Wilson Varela, c'est moi là qui ai combattu ce week-end. On a du monde, on a du monde, franchement. On a beaucoup de professionnels et ça se passe très bien et on évolue très bien. Pour une équipe plus ou moins de province, ça se passe très très bien. Et qu'est-ce que tu penses du MMA sur la ville de Marseille? Parce qu'étant donné que ça a été légalisé il n'y a pas très très longtemps, ça a été plus direct, ça a été sur Paris, surtout qu'il y a des organisations. Bon, il y en a aussi à Marseille, on est en train de voir qu'il y a des galas qui vont se dérouler très prochainement. Mais qu'est-ce que tu as pensé qu'est-ce que tu penses du MMA sur la ville de Marseille? Ben après, sur la ville de Marseille, ça va, on a quelques événements, plus ou moins, qui amènent du monde. Après, ouais, c'est pas aussi médiatisé que Paris. Les structures, c'est pas les mêmes que Paris. Comme j'avais dit précédemment avec une autre collègue à toi, en province, voilà, c'est, on va dire, à moins de vues que Paris. Paris, c'est un vivier de combattants, ils se connaissent tous. Après, comme j'ai dit, il y a beaucoup de talent dans le sud, enfin dans les provinces, hein, pas que dans le sud, hein, mais il y a beaucoup de talent. Et chez nous, à Marseille, il peut y avoir des grosses choses. Franchement, il y a de quoi faire chez nous, à Marseille. Franchement, il y a de quoi faire, il y a beaucoup de combattants. Et là, tu présentes une carte de 2-0. 3-0. Donc, 3-0. Donc, tu es invaincu. Pour l'instant. J'ai pu voir que tu as été à l'Hexagone aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en MMA, de tes premières sensations quand tu es rentré dans l'octogone, vraiment? Alors, le vrai MMA ou tu veux début, pancrace, etc., etc. Vraiment MMA, après. Le vrai MMA, ben le vrai MMA, c'était en Suisse ou à HFC, où j'ai eu la chance de performer là-bas. Franchement, très bonne sensation. Bon, après, on appréhende tout le temps, on appréhende tout le temps. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, on rentre dans quoi, on nous enferme, je dois me taper avec une personne que je ne connais pas, qui m'a rien fait. Et franchement, non, ça va, bonne sensation. Après, dès qu'on a, on va dire, on a fait le baptême du feu, après ça y est, ça devient une formalité. Et donc tu es invaincu, est-ce que pour toi c'est une pression en plus que tu as de vouloir garder ou peu importe la défaite, ça te fait pas peur, je veux dire Non, si demain. comme je dis toujours, c'est Dieu qui donne. Donc je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Si on peut rester invaincu, c'est un plus. Et on va faire en sorte de rester invaincu. Maintenant, comme j'ai dit, si on tombe, on se relève. Hein, on n'est pas. Voilà, on n'est pas des. On joue pas notre vie, comme on dit. Voilà, c'est un sport de combat, ça reste du sport. Yes. Et pourquoi ton surnom Dastan, c'est ça? Dastan, ouais. Ben, en fait, c'est bidon, c'est Non, drôle parce qu'en fait, je sais pas si tu connais le héros dans Prince of Persia.
Yes, bien Et sûr. quand j'étais jeune, j'avais mis sur mon Facebook battre Dastan par rapport au héros. Parce que c'est, on va dire, un prince perse, tu vois, c'est Bien sûr. on va dire, un combattant perse. Et après, c'est resté là. Du coup, les gens, au lieu de m'appeler par mon prénom, ils pensaient que je m'appelais vraiment Dastan. Et du coup, ça m'appelait Dastan, Dastan, et c'est resté. Ça tue pour le MMA, c'est ce Voilà. qu'il faut en plus. Donc, C'est ça. c'est cool. C'est cool. Donc, t'as jamais fait de. Le pancrace, est-ce que tu as combattu en France ou Oui, pas? oui. Ouais. En France, oui. Ben, j'ai commencé par le pancrace. J'ai commencé par le pancrace. J'ai commencé par le pancrace où je ne sais pas si tu as connu le Fightway. Non. C'était chez nous à Marseille, c'était une bonne organisation. Et en fait, ils donnaient la chance aux amateurs. En fait, si tu veux, tu avais le samedi soir, tu avais les combats pro. Et le dimanche, tu avais le tournoi amateur. Et donc, j'étais en club et tout. Et je devais le faire à moins de 93. Sauf que le jour J, j'arrive, je suis à 94 quelque chose. Donc, il me dit, tu le fais en lourd. Et je dis, c'est bon. Je voyais des gens courir, tu vois, parce qu'on avait En fait, à l'époque, à Marseille, ça se faisait à Salvalier. C'était la seule, on va dire, le seul endroit où. Moi, j'avais le seul complexe où il y avait ça. Et en haut, tu avais le passage pour les gradins. Et là, tu avais les combattants qui couraient, tu vois. Et je dis, non, je vais pas faire ça. Dimanche matin, je vais pas m'amuser à courir. Je dis, mettez-moi en lourd. Et ils m'ont mis en lourd et j'ai fait 4 combats et j'ai gagné le tournoi en lourd. Et en MMA, justement, pas encore la France. On va parler du combat qui va arriver à l'ARES. Ouais. Ça va être la première fois que tu vas combattre en France. Non, non, l'Hexagone, j'ai combattu en France. À Hexagone, c'était en France? Oui, c'était en France, c'était à Reims. D'accord, ouais, ok. Et qu'est-ce que ça fait de combattre en France, justement? Ça fait plaisir, hein, franchement, ça fait plaisir. Bon, on va dire, ça nous évite déjà les longs trajets en avion, la pression, d'être à l'extérieur. Bon, on a toujours la crainte de finir on va dire, à finir les 3 rounds ou les 5 rounds. Et vu qu'on n'est pas à domicile, voilà, on connaît un peu plus ou moins comment ça se passe à l'extérieur, selon qui on prend. Donc ouais, après chez nous, ça fait toujours plaisir. Après, c'était un public de malades à Reims. Franchement, on avait rempli, enfin, la salle était remplie. C'était magnifique. C'était magnifique. Par rapport à mes précédents combats, franchement, c'était quelque chose. Et donc là, tu viens de signer à l'ARES. C'est ça. Explique-nous un peu comment s'est fait cette signature. Et aussi là, l'adversaire que tu vas affronter, c'est du costaud. Et Ben écoute, il fait ses débuts aussi comme toi. c'est ça. C'est ça, Et c'est ça. il est très, 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 très prometteur comme toi, j'ai envie de dire. Donc Merci. vraiment, ça va être un beau match-up, quoi. Ben écoute, je rentre du travail un soir, je finis tard. Donc voilà, je fais ma douche, je me mets au lit, etc. Et je reçois un Instagram, enfin un message Instagram. Et là, on va dire, c'est le matchmaker de Arès qui me propose un contrat, etc., etc. Donc du coup, t'imagines pas la joie et voilà. Donc du coup, après, j'en ai parlé à mon coach. Pareil, il était très content. Donc on était enthousiaste. On a déjà très hâte d'y participer. Et après, voilà, on a direct accepté. Et c'est une opportunité qui s'offre pas à tout le monde, comme on dit, et qu'il faut la prendre fermement. Et est-ce que quand l'organisation ARES, elle est arrivée, t'en as entendu parler, je veux dire, est-ce Oui. que vraiment tu avais envie d'y aller, tu t'es dit, ou vraiment tu t'es dit, c'est eux qui me contacteront, comme ce qu'il y a eu, pour pouvoir y aller, ou tu avais déjà cette envie? Franchement, je te mens pas. Après, c'est mon point de vue à moi. Je me suis dit à mon niveau, enfin à mon niveau, Ouais. je me suis dit, voilà, étant Marseillais, étant voilà, dans une bonne team, tu vois, je n'ai pas encore fait mon nom, tu vois, je n'ai pas encore marqué on va dire, mon nom dans la pierre. Je ne sais pas ce qu'est l'exemple exactement, mais je me suis dit, bon, j'attendrai un peu de saisir ma chance, mais je ne me voyais pas maintenant. Me faire cette proposition. Ouais, puis en termes d'exposition, en plus, c'est une carte, on rappelle, Ah oui, c'est la c'est recette. la C'est recette, c'est ça. où il va avoir Abdoul et Carla Mousso Ouais, en main c'est une carte event. attendue, très attendue même. Très, très attendu. Je ne sais pas si vous serez en co-main event, je ne sais pas du tout. Bon, alors là, Ouais, franchement, ça. Ça déjà pas... faire partie de la carte, c'est Oui, lourd. non, c'est énorme, c'est énorme. Ça va être lourd. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton adversaire? Est-ce que tu as un game plan ou pas du tout? Toi, déjà, si tu devais définir ton style aussi. Est-ce que tu as Moi, un je suis style plus. particulier? Ben après, moi, je suis plus on va dire, striker. Je suis dans le Ouais. striking. Après, maintenant, comme mon précédent combat, je m'adapte. Si la personne va aller au sol, je serai au sol aussi dur et aussi lourd et aussi féroce. Si elle veut rester debout, on restera debout. Après, je m'adapterai à la situation. Après, le but, Ouais, c'est tu de t'adaptes vraiment. gagner.
Après, le but, c'est de gagner, de laisser aucune chance. Donc, si il faut que je reste debout et mettre le KO, je mettrai le KO. Si, voilà. Et s'il faut aller au sol, on ira au sol. Et est-ce que tu as eu des inspirations de combattants quand tu as commencé les sports de combat, justement? Ah oui, moi j'ai commencé à faire le kickboxing, je m'étais intéressé par rapport à Badrari. Voilà, j'étais jeune, et quand je le voyais sur, je sais pas si tu t'en souviens à l'époque, le KONGP passait sur Eurosport. Yes, ouais, Et je donc me quand je rappelle. l'ai vu, voilà, le fait d'être marocain, tu vois, donc Bien voilà, sûr, vous avez on les a fait mêmes des origines piscines, en tu vois, plus. on s'est Ouais. suivi un peu plus ou moins. Et non, franchement, il m'a fait vibrer pendant ma jeunesse. Après, non, franchement, c'était plus Badrari. Et l'UFC, je suis obligé de t'en parler. Est-ce Ouais. que ça, c'est un objectif pour toi? Ou vraiment, toi, tu te focalises sur des organisations comme Arès, peu importe là où tu iras, ton objectif, c'est quoi? Dans le MMA, sur le long terme, hein, je parle. Là, il y a ton combat qui arrive. Ouais. Après, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, ça c'est mon point de vue, c'est ma pensée à moi, c'est comment je pense. Pour moi, déjà, l'arrêt, c'est un mini UFC. Tu vois, pour Ah, moi, c'est c'est une clair. chance. Ah non, C'est une c'est. chance. C'est une chance pour moi de montrer ce que je vaux, mes qualités, que voilà, à Marseille, il n'y a pas que pas que le foot, même si on aime le foot ici, chez nous, c'est une religion, tu vois. Mais voilà, et pour donner aussi la chance aux provinciaux de voilà, pouvoir prouver. Maintenant, l'UFC, on va dire, j'y pense pas trop, tu vois. Peut-être, j'espère avoir ma chance, hein, on sait jamais, tu sais, l'ours, ça va vite. Hein. Ben ouais, ça va Lourd, très vite. Et en plus, ça reste, c'est. En France, dans le MMA, c'est la meilleure passerelle oui. que tu peux avoir pour Bien pouvoir sûr. accéder à une organisation. On rappelle que Arès, ça passe sur UFC Fight Pass, donc ça va être énorme, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, maintenant, te dire vraiment, non, je vais tout faire pour aller à l'UFC, c'est m'inventer une vie, tu vois. Je vais m'entraîner pour faire mes preuves à l'ARES. Gagner mes matchs à la reste, tu vois. Et après, comme on dit, c'est Dieu qui donne, tu vois. Si c'est écrit dans ma destinée, pourquoi pas, avec plaisir, je prends. Hein. Comme je t'ai dit, c'est des trucs que tu sers fort, que tu lâcheras pas. Le Et fait de puis, mettre un pied à l'UFC, tu vas faire un combat, juste un combat, déjà, c'est. et puis Voilà. j'ai pas le souvenir de poids lourd marseillais. Alors peut-être toi, vraiment qui est sur le sol marseillais, est-ce qu'il y a eu Ouais. vraiment des poids lourds en MMA venant de Marseille? J'en ai pas vu, hein, je pense, dans ton entourage. Au niveau des sparring, c'est pas trop dur pour Non, se si, parer? y a Hassen Arat. Hassen Arat, ça va, il a un bon petit palmarès, il est connu plus ou moins en MMA. Il a pris des gros noms aussi. Il a pris Hamlet, je sais pas si tu vois qui c'est, là, qui a fait le PFL. Ouais, ça Il a va. combattu contre lui dans son pays là-bas. Voilà, non, franchement, il y a Hassen, il y a Medjitir. Medjitir, très, très, très gros potentiel, c'est le futur, lui, je suis quasiment certain. Après, Vincent Delguera, grosse expérience, donc il peut apporter que le meilleur. Après, on tourne plus ou moins en pied-point avec les lourds marseillais qu'il y a, et on a des gros lourds en pied-point à Marseille. Ça marche. Super. Bon, ben on arrive en fin d'interview. Donc, on va passer au petit questionnaire. C'est le Ben allez, avec 5. plaisir, Donc, allez. 5 dernières questions. Donc, plutôt KO ou soumission? Moi, je suis plutôt KO. Enfin, je préfère le KO. En termes de style, t'es plutôt Cyril Gane ou Francis Ngannou? Complif. En termes de style? Ouais, en Ouais. termes de style, je parle pas des personnes, hein, vraiment On le va dire. style, tu vas dans l'octogone. Ouais. Plus Ngannou, on va dire. Moins technique que Cyril Gane. Cyril Gane, c'est la technique, tu vois, c'est beau. Ngannou, c'est la prestance, tu vois, c'est le charisme. Ouais, je suis plus Ngannou. Mais j'aime bien les deux. J'aime beaucoup les deux. Marseille ou Paris? Même pas, je te réponds. Tu le sais. Ça C'est Marseille, marche. bébé. iPhone ou Samsung? iPhone, je suis iPhone. Et ton repas préféré après un combat? Tu sais, j'ai regardé un peu tes vidéos, les gens ils répondent des repas, mais en vrai de vrai, quand tu finis le combat, déjà il est tarpin tard, il est 23h minuit passé, donc va chercher à manger. La seule chose que tu trouves, c'est un fast-food. Donc on va partir, c'est un tacos. Un Vas-y, t'as bon tacos bien plein, tu vois. une petite adresse à donner à Marseille À pour nous. Marseille, pour bien manger, tu as le Big M. Le Big M, c'est pas mal. Ça marche. Ben super. Ben je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à toutes mes questions. Si jamais tu as un mot de la fin, je te laisse t'exprimer sur le podcast. On t'écoute. Ben, juste te remercier pour le temps accordé. Franchement, ça me fait plaisir. On va essayer de faire de. Enfin, déjà, je vais essayer de faire de mon mieux déjà à l'ARES. On est en train de se préparer bien comme il faut. Et on a les crocs comme jamais. On Ah va ben faire du taf.
Grosse force à toi pour ton combat. En tout cas, Enfin, merci. en tant que Palois de Marseille, on va être T'es derrière toi à bienvenu. T'es fond. bienvenu, frérot. Quand tu veux, tu viens chez nous, il n'y a pas de souci. C'est gentil. Merci à Il y a toi, de quoi frérot. faire. Force à Avec toi. plaisir. Ciao, merci frérot. À la prochaine. Ciao, ciao.